Bonjour. Bonjour. C'est Chris. Christine. Avec un C, avec un K. Toujours la question que je me pose, avec un C et dort totalement, complètement, parfaitement, au niveau le plus profond jamais atteint auparavant. Voilà. Ok, super. Je vais te demander d'approfondir totalement et là, quand je lâche la main, 10 fois plus profond. Quand je lâche l'autre main, 10 fois plus profond, de plus en plus profond, au niveau jamais atteint auparavant. Et juste pour t'aider, tu vas donner un nom que tu vas répéter avec une clé numérique. Ça peut être alors θ, 1, 2, 3, alpha, 1, 2, 3. À chaque fois que tu dis ce mot avec les nombres, 1, 2, 3, tu retrouves le même niveau instantanément. Ce qui peut t'aider pour faire de l'auto-hypnose à des niveaux très profonds. Et quand je vais compter de 1 à 3, de 1 à 3, tu ouvres les yeux, mais tu gardes le même niveau de conscience. Voilà. Et je vais te dire 1, 2, 3, tu ouvres les yeux. Regarde ma cape d'invisibilité, c'est la cape d'Harry Potter qui rend invisible. Et quand tu vas relever la tête, je vais remettre cette cape d'invisibilité. Tu ne vas plus voir mon corps, tu verras que ma tête qui se déplace dans l'espace comme Zardoz. Voilà, tu peux ouvrir les yeux. Voilà, et je mets... Qu'est-ce que tu vois? C'est débile, ce truc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est débile? Je vois que ta tête, hein. Tu vois que ma tête? Si, je vois un peu les pieds, mais... Voilà, dors totalement. Niveau hallucinatoire, hallucinations visuelles, là qui sont négatives, niveau 6, pour suggérer autre chose. Voilà. C'est un niveau 5, parce que on a fait disparaître. Tac, voilà. Et là, on est entre le 5 et le 6. Toi, c'est des tests qui permettent de savoir. C'est un super sujet pour aller en 6 cortes, plus loin qu'Esdale. Voilà, tu vas te réveiller à 3. 1, 2, 3, comme ça. 1, 2, 3, dans l'autre sens, les yeux ouverts, totalement réveillé, en pleine forme. Et tu sais que tu peux retrouver ce niveau à tout moment pour retrouver le niveau de conscience que tu souhaites, qu'on t'a fait, pour aller toi-même dans ces niveaux profonds. Merci, merci, merci. Alors quand on fait l'hypnose de spectacle, il faut toujours dire, quand on fait quelque chose d'amusant, on est fier de toi et tu es fier de toi. C'est ce que dit Mesmer, c'est une phrase importante pour pas que la personne dise « Oh putain, j'ai été ridicule ». On est fier de toi et tu es fier de toi.